La troisième édition de l'Industrie Meeting Days s'ouvrait ce 29 avril à Casablanca sous le thème « L'innovation industrielle et la formation au service de la création de l'emploi dans les régions ». L'événement organisé par le magazine Industrie du Maroc sous l'égide du ministère de l'Industrie a été l'occasion de revenir sur deux thématiques importantes. La première concerne ce chantier de la formation professionnelle et sa contribution pour répondre aux besoins en compétences. Le second concerne l'état des lieux du plan d'accélération industrielle lancé en 2014 par le ministère de l'Industrie. Le point avec Moulay Hafid Al-Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Écoutez, c'est des rencontres extrêmement intéressantes parce que nous avons rencontré des leaders mondiaux type GE ou Pratt & Whitney qui fabriquent des moteurs d'avion. Et nous avons eu à leur présenter le Maroc sous un autre visage parce que l'évolution se fait au jour le jour et les prises de vue par ces grands groupes se font tous les 5 ans. Donc ils ont une vision assez périmée de l'évolution du secteur, par exemple, de l'aéronautique. Et donc, à ce titre-là, ils ont vraiment découvert que le Maroc avait fait un bond important et souhaitent revenir pour le constater de visu et pouvoir envisager des investissements dans les prochaines années. Donc, en effet, c'était un voyage très riche en rencontres et en partage et en perspectives, surtout. L'industrie est regardée en silo. Elle n'est pas approchée en écosystème. Il y a très peu de pays qui l'ont fait depuis quelques années et qui ont donné des résultats. C'est à partir de là que nous sommes inspirés. Nous n'avons rien inventé. Nous sommes inspirés de ce qui a marché ailleurs pour l'adapter à notre réalité marocaine. Et ces écosystèmes nous ont donné un vrai bon différenciant parce qu'on sait exactement quels sont les maillons qui manquent dans les chaînes de production et nous les ciblons de façon très précise. Donc nous allons rencontrer ces entreprises et nous les démarchons pour un investissement au Maroc. Donc en effet, les écosystèmes ont donné un nouveau visage de l'industrie marocaine. Vous le constatez immédiatement sur vos taux d'intégration. Quand vous travaillez en silo, vous ne regardez pas qu'est-ce qui vous manque. Donc votre taux d'intégration, il est ce qu'il est et il ne bouge pas. Les entreprises qui sont chez vous, celles qui ne sont pas là ne viennent pas. Or, quand vous les regardez en écosystème et que vous gérez un seul élément qui vous pilote, qui est le taux d'intégration, eh bien, vous allez chercher ces maillons manquants et très rapidement, votre taux d'intégration se transforme. Ouvrant officiellement cette édition qui s'étale sur 2 jours, Hicham Rahiwi Idrissi, président fondateur d'Industriecom Group et organisateur de l'Industrie Meeting Day, explique que le choix de la thématique par la feuille de route de la formation professionnelle mise en place après plusieurs séances présidées par le souverain lui-même, ce qui dénote de l'intérêt et l'importance accordée à cette question dans l'accompagnement des principaux chantiers économiques du pays. Cette troisième édition a également été marquée par le lancement de l'Industrie Meeting Awards ainsi que le lancement du portail agrégateur des offres de travail dans le secteur de l'industrie, www.emploipro.ma. Industrie du Maroc Magazine organise aujourd'hui la troisième édition de Industrie Meeting Day, qui est la première rencontre d'affaires pour l'industrie, l'investissement et l'innovation. Cette édition a pour sujet l'innovation industrielle et la formation au service de la création de l'emploi. Le choix de sujet est venu suite à 2 événements importants. Le premier, c'est l'adoption de la feuille de route pour la structuration de la formation professionnelle qui vise à créer les cités de métiers et de compétences. Bien évidemment, cette initiative est impulsée par la vision stratégique de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Deuxième événement majeur, c'est l'annonce qui a été faite par le ministère de l'Industrie et qui a annoncé la création de plus de 405 000 emplois dans le secteur industriel. L'occasion de la troisième édition d'Industrie Meeting Day, Industrie du Maroc a primé l'excellence industrielle et l'innovation en primant 7-8 industriels dans le domaine de l'innovation, dans la recherche scientifique, dans l'entrepreneuriat. Donc 8 trophées ont été décernés à des hommes et à des femmes qui ont fait de leur métier l'industrie pour encourager l'économie marocaine. Un autre fait majeur, c'est le lancement officiel de la première plateforme de recrutement pour les industriels, EmploiPro.ma, qui va regrouper l'ensemble des offres d'emploi existantes sur le marché industriel et qui va permettre aux jeunes chercheurs d'emploi un large choix d'offres d'emploi dans le domaine industriel. Les travaux qui vont en découler de ces 2 jours de travaux de Industrie Meeting Day, qui sont débattus à travers des experts, à travers des présidents
de fédérations et d'associations qui opèrent dans le domaine industriel technologique vont faire le sujet d'une édition spéciale sur l'industrie du Maroc magazine qui vont être publiées et destinées à l'ensemble des acteurs économiques et industriels. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.